Hello, everyone. Welcome to the CCIH 2022 annual virtual. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à CCH, la conférence annuelle. Je m'appelle Mona Bormet et vous allez voir un slide avec les instructions en français et afin d'avoir accès aux canaux d'interprétariat. Et nous aurons aujourd'hui avec nous des personnes qui vont présenter en français et en anglais. Et ça va être utile pour vous de choisir la langue. Et si vous êtes nouveau avec CCH, nous sommes un réseau mondial d'environ 120 organisations chrétiennes et 15 partenaires, ainsi que quelques centaines de membres individuels, dont la plupart sont basés hors des États-Unis. Et la mission est de promouvoir la santé, la plénitude et dans une perspective chrétienne, et nous offrons des possibilités de renforcement des capacités, de mise en réseau, de partenariat et de plaidoyer. Je remercie tous les sponsors de notre conférence. Votre soutien nous permet d'organiser nos réunions annuelles afin de nous réunir pour partager et apprendre, discuter et partager. Nous vous remercions tous. Et en ce qui concerne les directives, nous allons avoir une session questions-réponses à la fin du programme afin d'aller dans les salles des discussions. Donc, ça va être entre 10h30, l'heure de l'Est des États-Unis. Nous recueillerons les questions jusqu'à ce moment-là. Veuillez utiliser la boîte de discussion pour poser vos questions et nous avons du personnel pour surveiller cela. Cette session est enregistrée et sera publiée sur le canal YouTube de CCH dans une liste de lecture et vous pouvez trouver les liens au niveau de notre site web cchih.org. Veuillez partager ce que vous entendez des expériences utiles en se basant sur les présentations et sur aussi les réseaux sociaux. On a le hashtag CCIH 2022, hashtag faith-based et hashtag global health. Je suis heureuse de céder la parole à notre modératrice pour la session d'aujourd'hui, Evelyn Gaffreux est responsable du suivi et de l'évaluation de l'apprentissage avec avec Christian Health Association de Kenya. Elle soutient les programmes de santé maternelle et productive, de lutte contre les maladies non transmissibles et de renforcement des systèmes de santé. Bienvenue, Evelyn. Thank you, Mona. Good afternoon, good morning, and good evening. Merci beaucoup, Lona. Merci, Mona. Merci. Je remercie tous les intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Je n'entends rien. So as I was, thank you for joining us. Je vous remercie de nous avoir avec vous. Bien, bonjour. On va commencer par une prière. Localization. We ask that you may bless our speakers. Père Dieu, nous te remercions de nous avoir donné le temps de nous rencontrer et de discuter de l'important sujet de la localisation. Nous te demandons de bénir nos interventions à notre public et que les informations et les discussions que nous avons aujourd'hui puissent contribuer à renforcer le travail que nous faisons pour améliorer la santé des personnes que nous soutenons. Nous te prions en ton nom. Amen. Merci encore de vous joindre à notre aujourd'hui à notre sixième et dernière journée de la conférence de la conférence de la CCI. Chaque jour, nous nous concentrons sur un sujet
sujet, apprendre à aimer nos voisins. Notre thème d'aujourd'hui, la localisation de la santé, qu'est-ce qui est nécessaire pour assurer la guérison, la durabilité? C'est un temps pour réfléchir à la localisation, quand les organisations du Sud doivent s'organiser et l'idée, gérer leur développement. Et c'est important pour nous de reconnaître et d'utiliser le monde de la technologie, les compétences de la sphère sud. C'est également important de mettre la durabilité en tête puisqu'on a ce développement. Notre intervenant aujourd'hui va intervenir sur ces dimensions de manière pratique pour voir quelles sont les dynamiques qui s'articulent à nous. Puisque vous avez écouté les présentations aujourd'hui de ce matin, je vous encourage à réfléchir à certaines questions. Lorsque nous irons dans les salles de réunion plus tard, nous parlerons de ces questions. Alors, notre première question, ou réfléchir, c'est le progrès, mais en matière de localisation. Avons-nous fait des progrès dans l'amélioration de l'autorité, du contrôle local sur les programmes dirigés par les donateurs? Comment savons-nous ceci et comment a-t-il ou nuit au progrès? Travailler avec les ONG, deuxième thématique. Alors, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire en matière de localisation lorsque des ONG internationales tentent de soutenir la croissance et les capacités des organisations locales? Dernier domaine, c'est la durabilité. Comment les programmes peuvent-ils être durables lorsque des éléments de programmes complexes, il y a une dépendance à l'écart de l'expertise technique externe et le manque de mobilisation des ressources locales? Tout ça constitue des obstacles à l'appropriation locale. Maintenant, on va parler à la présentation d'Ariel. On va commencer notre journée avec l'intervention d'Ariel à caméra, qui est avec Madame Caméra, conseillère en capacité locale et partenariat de l'UCAD. Ariel est conseillère en capacité locale et en partenariat au bureau de soutien au pays du Bureau de la Santé mondiale. Elle soutient l'unité législative des nouveaux partenaires. Elle co-dirige également les groupes de travail du bureau sur le développement local et les relations de gouvernement. Bienvenue. Je suis Ariela. Je m'appelle Ariela, je fais partie du Global Health Bureau et j'aide à diriger nos efforts en matière de PNP et localisation. C'est au nom de l'UCD que je vais vous faire part de mes remarques aujourd'hui. Les résultats en matière de santé sont atteints lorsque les familles, les communautés s'engagent de manière proactive dans leurs propos. À l'UCD, nous croyons fortement, fondamentalement, qu'il faut soutenir les individus, les familles, les communautés et les nations sur leur propre trajectoire vers des résultats de santé durable. Notre point de vue, la localisation englobe les processus et les actions de l'UCD pour entreprendre et s'assurer que notre travail place les acteurs locaux en tête, renforce les listes et renforce les systèmes locaux et est sensible aux communautés locales. L'acquisition est un changement institutionnel au sein de notre agence. Il ne s'agit pas seulement d'une série d'objectifs, mais d'une nouvelle façon de faire des affaires. L'acquisition consiste essentiellement à modifier les relations, la dynamique du pouvoir afin que les acteurs locaux soient en centre de notre travail. Pour ce faire, nous devons continuer à changer nos attitudes, nos comportements, nos pratiques et nos procédures. La localisation est également étroitement liée à la approche de développement inclusif qui montre que le CLD qui garantit que toutes les personnes, y compris celles qui sont marginalisées et sous-représentées, sont pleinement incluses et peuvent participer activement au processus de développement et en bénéficier. L'administrateur Power de l'UCLD a établi deux objectifs importants pour la localisation. D'ici 2030, notre objectif est que 50% des activités de CLD à travers nos portefeuilles de développement et d'aide humanitaire mettent les communautés locales à la tête de la conception d'un projet, de la définition des priorités, de la mise en œuvre ou de l'évaluation de l'impact de nos programmes. Et d'ici la fin de l'année fiscale 2025, au moins un quart de toutes nos obligations iront à les organisations locales, exclusion des dépenses de fonctionnement, des contractants de services personnels du gouvernement à gouvernement et des organisations internationales publiques. S'appuyant sur nos efforts précédents, l'approche de l'UCLD en matière de localisation comportera quatre lignes d'efforts qui se chevauchent. Nous transférons le pouvoir aux acteurs locaux, on intègre les voies
d'archives locaux dans tous les aspects de nos programmes. Nous canaliserons une plus grande partie de l'aide directement vers des partenariats locaux crédibles tout en assurant la responsabilité de l'utilisation appropriée de nos fonds et de l'atteinte des résultats en matière de développement et d'aide humanitaire. Nous appliquerons les efforts de renforcement des capacités locales et systèmes locaux à la poursuite d'un développement mené localement et nous nous servirons de défenseurs mondiaux et de leaders d'opinion en matière de localisation. En accord avec les efforts de localisation de l'État, nous aimerons reconnaître notre partenariat avec la CCIH et d'autres organisations locales confessionnelles. Par exemple, par le biais de notre activité Momentum, Country and Global Leadership, la CCIH a développé une boîte à outils mondiale pour le changement social et comportemental afin d'engager les acteurs confessionnels locaux et les ministères de la Santé à stimuler l'adoption de la COVID-19 et la vaccination de routine à s'attaquer aux obstacles qui empêchent les communautés confessionnelles en particulier d'accéder aux vaccins. Par le biais de la New Partnership Initiative de l'UCLD, la Strengthening Community Positive World Relief et la CCIH travaillent avec des partenaires locaux au Malawi, au Kenya et au Sud-Soudan pour former des agents de santé dans les établissements et au sein des communautés pour afin d'améliorer les résultats sanitaires. À côté de ceci, l'African Christian Health Association Platform et ses partenaires locaux ont formé plus de 1300 agents de santé communautaires à la santé maternelle et infantile intégrés à la distribution communautaire et du planning familial au Kenya et en Ouganda par le biais de formation en personne et de mentorat continu. L'UCLD travaille également à la finalisation d'une nouvelle politique de renforcement des capacités locales d'ici la fin de l'été. L'UCLD publiera également un rapport qui résumera tous les commentaires reçus et les changements apportés à cette politique. Nous tenons à remercier la CCIH pour ses nombreux commentaires sur ce projet politique. Nous sommes également en train de créer la première politique stratégique d'engagement religieux en son genre. Elle s'appuiera sur les efforts de l'agence pour renforcer la base de données probante sur l'engagement religieux dans le développement et s'assurera que nous travaillerons avec des individus des organisations ancrées dans les communautés locales. Nous attendons avec impatience la contribution de la CCIH. Au cours de la dernière décennie, la CCIH a également apporté des changements à la manière dont nous recherchons et formons les partenaires avec les acteurs locaux, y compris récemment le lancement du workwithusaid.org. L'UCLD apprécie ses partenaires avec les CCIH et se réjouit de poursuivre notre collaboration pour faire avancer les efforts de localisation. Merci. Thank you, Ariella. Merci, Ariella, d'avoir partagé avec nous ces mots. Par la suite, on va entendre deux intervenants sur Révérend Troy. Excusez-nous, nous avons quelques petits soucis de nos présentateurs aujourd'hui. Révérend Lewis. Qui est révérend et le cofondateur et le directeur d'Expanded Church Responsive. Il vit en Zambie depuis 20 ans et travaille avec des partenaires pour aider à mettre l'Église en réseau et à réveiller son potentiel pour être un agent de transformation holistique centré sur le Christ pour les individus et les communautés. Alors, Nkath Angelo est la coordinatrice et directrice générale de la plateforme des associations chrétiennes de santé en Afrique, une organisation qui chapeaute les associations chrétiennes de santé et qui compte des membres de plus de 30 pays africains. Alors, bien évidemment, bienvenue. Vous êtes les bienvenus. Vous avez la parole. Je vais demander à Révérend Lewis. Alors, je vais commencer avec Révérend. Pour commencer, pourriez-vous nous donner un bref aperçu de l'évolution de la dynamique dans l'espace de développement tel que vous l'avez vu en ce qui concerne la capacité du Sud global à assumer le rôle majeur de facilité? Merci. Merci de l'opportunité que vous m'offrez. Notre initiative est de depuis 20 ans à colorer le développement. Starting during the peak of the HIV/AIDS pandemic and getting us to near epidemic control in many places, especially through Global Fund and PEPFAR, which has been a godsend to these places. À partir de ce moment-là, plusieurs ONG ici en Zambie
pour commencer une initiative avec les orphelins, les enfants, pour appuyer leur traitement. Le CID a des subventions pour commencer ce projet et que le projet doit avoir des partenaires locaux. Et on a été choisi pour être le partenaire local pour renforcer les capacités et se connecter avec les partenaires communautaires pour être sur terrain, pour mettre en œuvre les projets avec ces communautés comme partenaires, renforcer leurs capacités. Plusieurs de ces innovations ont été intégrées avec un engagement à long terme. Donc, on a commencé avec le renforcement des capacités des locaux, nous, en tant que nationaux, et plusieurs ont commencé à avoir des renforcements de capacités sur l'aspect technique pour travailler sur le travail Excel, la planification, la budgétisation des systèmes dont ils auront besoin pour mettre en œuvre ces projets. Ça, c'est un facteur de changement pour les locaux, pour renforcer leur capacité et pour leur capacité à voir comment on pourrait faire en sorte que l'aspect local soit durable. Et voir comment on pourrait transférer ces capacités de nous à ces locaux. Nous avons plus de 7000 volontaires au niveau de cette communauté et tout ceci se passe à ce niveau-là. Donc vous savez, le CID, c'est une plateforme qui a mis l'accent sur les locaux, les acteurs sociaux et les ONG internationales sont venues pour apporter leur plus. Donc, et maintenant, il y a une composante importante. Well-resourced machinery in terms of able to compete better for these proposals, and it's also in terms of taking the staff when they come into communities from these locals, and the locals basically have no say and are basically wilting right now, and in terms of wondering and the type of progress that has been gained with these locals and owning their community problems right now, that is very much in terms of at risk. Thank you so much, Reverend Troy. Why do you think it's important that we consider these issues at this moment? Right now, I think we have to look at what is our goal? Is our goal just to think about working on projects and meeting targets from project to project? Regarder les projets, on va regarder les villes qui sont en train de s'élargir. Ce n'est pas un modèle assez durable, mais nous avons regardé des villes avec une certaine capacité. Il y a aussi des réseaux qui sont sur place et la capacité, lorsque le projet est en train d'accroître, les organisations peuvent changer. Et ce qui nous arrive, nous sommes responsables de ce qui arrive. On a besoin de ce genre de pratique pour aider les gens et de ne pas dépendre des autres et d'avoir certaines communautés. Et il y a certaines durabilités dedans et il n'y a pas de risque dans les différents modèles. Nkatha, est-ce que vous pouvez nous parler de la façon avec laquelle vous avez navigué l'espace pour travailler comme étant une agence et tout en maintenant un engagement envers l'organisation internationale et de soutenir le développement dans la région? Je vous remercie, Evelyne. Pour nous, l'association africaine et la plateforme, on a un exemple de localisation qu'on a commencé avec le gouvernement américain et c'est un projet qui a été financé par le gouvernement américain. Au préalable, nous n'avons pas une expérience sur le travail de ce genre de financement et cette ampleur de ce financement. Je pense que, premièrement, assurer qu'on est sur la même table et que nous présentons les priorités et mener une discussion. Comme je vous ai dit, on doit avoir une personne qui est prête à nous entendre, comprendre et ce que nous souhaitons faire. Il faut s'assurer que nous sommes dans une seule table et présenter nos priorités comme nous les voyons. Et
C'est une cause que nous, pour laquelle nous sommes en train de plaider. Et nous sommes en train de mener notre propre développement. Je vous remercie, Nakatha. Qu'est-ce que vous voyez? Quel est le rôle à partir des financements et des donateurs pour soutenir le Sud d'avoir une voix, bien entendu? Le premier rôle, les organisations au niveau de Global North doivent travailler ensemble d'une façon proactive et ils doivent mener et à permettre à Global South à mener leur propre développement et de faire le choix de leurs priorités ainsi que le plaidoyer sur les différents niveaux. Fournir un engagement pertinent. Tout ce qui s'est passé dans le passé était des projets. Le développement s'est déroulé au cours des projets. Il y avait des propositions qui étaient faites pour faire ce qui a été proposé dans les projets. On doit écrire de cette façon et rédiger. Mais l'engagement réel et la localisation, l'organisation est demandée à proposer nos priorités et mener notre propre développement. On n'est pas uniquement informé ou consulté, nous sommes des partenaires dans ce genre de développement et assurer les priorités. Et cela est en relation avec la co-création de ce processus. Je considère cela comme étant une priorité au niveau du Global North Champion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nkatha. Je reviens vers Troy. Comment peut-on avoir un développement et un changement vers un autre niveau ou un prochain niveau? Il y a certaines parties dans cela. Si nous regardons l'assistance et la santé, ils sont spécialisés à ce niveau. Mais les personnes au niveau de la communauté, la santé est en relation avec l'économie. L'économie est en relation avec le fait d'avoir les besoins, les médicaments. Mais il faut avoir des organisations locales avec des services locaux et des organisations aussi pour commencer à initier des affaires et des projets. Ils vont être capables de développer le soutien économique pour avoir de l'assistance envers les personnes vulnérables et améliorer les services de santé, avoir des volontaires qui font cela. Ce que je vois parfois en conformité avec cela, le renforcement des capacités et l'engagement des bailleurs de fonds. Ils commencent à renforcer les capacités des agents dans les communautés et d'avoir un certain engagement envers les besoins en termes de santé, pour qu'ils puissent soutenir les communautés locales sur le niveau technique et sur le niveau économique. Et ce qu'on a vu, il y a un rôle des organisations internationales. Et on ne peut pas le faire sans les organisations internationales. Les organisations internationales viennent pour compléter le travail des communautés locales et essayer d'avoir des objectifs et des cibles. Comment peut-on mettre en place des projets pour servir les communautés d'une façon durable et de renforcer les capacités, travailler avec les locaux à travers ces processus-là? Je vais m'arrêter à ce niveau parce qu'on n'a pas beaucoup plus de temps pour s'étaler sur ce sujet. Mais l'économie est très importante. Le renforcement des capacités est un pilier et le renforcement des capacités des personnes au niveau des communautés locales. Merci beaucoup, Troy. Je vais passer la même question à Nkatha. Comment peut-on mener le développement envers un autre niveau?
Troy a déjà parlé des potentiels du renforcement de la capacité. Il y a aussi le transfert des compétences, le fait de se réunir autour d'une table et d'avoir des discussions, pas uniquement le développement en lui-même. Nous essayons de faire un transfert de compétences et de soutenir l'un de l'autre, l'un au sein d'une communauté. Les personnes vont être capables d'aider les personnes sur le niveau local de préparer des feuilles de route. Ce n'est pas une approche qui commence du haut en bas, mais c'est de regarder les communautés locales, essayer de discuter les priorités au niveau du communauté et après mettre en place un programme du projet. Et ensemble, nous serons être capables de mener des projets durables et précisément sur le niveau du Global South. Je remercie Ntata et je remercie Troy pour les points pertinents qu'ils ont rajoutés à notre discussion. Maintenant, nous allons donner la parole à Peter, qui est le directeur exécutif de Christian Health Association à Ghana et qui est une large service à but non lucratif, une association, excusez-moi, non gouvernementale de prestations de services de santé. Docteur Benjamin Walker, qui est l'auteur de Religion in Global Health and Development, il a fait des études en histoire et il a aussi fait des études en études africaines à l'Université de Cambridge. Bienvenue, Peter. Je vous remercie, Evelyne. Je vous passe mes remerciements de la part de Ghana et avec beaucoup de plaisir, j'aimerais bien s'engager dans une organisation importante avec vous qui a fait un travail important dans le développement, les services de santé dans le Ghana des 20e siècle. Et j'aimerais bien aussi féliciter nos collègues dans le développement et le fait de choisir Ghana comme étant une destination pour lui. Merci beaucoup, Peter. Pendant 8 ans, j'ai travaillé dans ce projet en particulier. Il inclut plusieurs efforts, des archives, des entrevues dans le monde entier. Et comme vous voyez, il y a eu un progrès au cours du dernier mois de mai. Et ce matin, j'ai publié un livre en ligne électronique. Et vous pouvez trouver le lien du livre électronique au niveau de la discussion en chat. Et vous pouvez l'avoir gratuitement à travers le lien. Et vous pouvez trouver beaucoup plus d'autres liens qui vont être utiles pour vous. Merci beaucoup, Ben. Je nous remercie pour cette connexion chrétienne entre nous tous et ce partage. On va revenir vers la thématique de votre livre. Pour plusieurs années, les jeunes générations n'étaient pas intéressées par les histoires et sur le niveau international et national. Vous avez parlé de l'histoire de la religion avec le développement de la santé dans l'autre côté. Ma première question pour vous, à quel niveau cette perspective historienne est utile pour l'approche Global Health ou l'approche de la santé globale? Quelle est la relation avec l'histoire et la santé? C'est un souci, la relation entre la santé et l'histoire. J'ai regardé l'histoire au cours de ces 100 dernières années.
Et comment peut-on avoir cela pour plusieurs années? J'ai regardé la géographie, la structure et j'ai vu aussi les sources d'emploi, le développement du financement et surtout pour les individus. Et nous pouvons avoir cela pour plusieurs décennies dans la santé internationale. Et c'est la question qu'on a eue sur les politiques que nous allons mettre en place. Et nous essayons de fournir des solutions. Oh, j'ai essayé de faire des recherches sur cela au niveau du Ghana. Au cours de l'histoire, nous avons essayé sur les politiques à haut niveau, mais on n'a pas regardé les personnes sur terrain. Mais il y a aussi des relations entre plusieurs autres villes dans le monde, Genève ou à Washington. Nous avons essayé comment nous pouvons tisser des liens et cela pourra limiter la compréhension de la santé au niveau international. Et on peut regarder les bureaux de l'Organisation mondiale de la santé et les décisions sont prises à ce niveau. Mais regarder le niveau local, c'est très bien. Et aussi, la mission chrétienne est très importante et on oublie toujours et parfois aussi son rôle. C'est un ingrédient, c'est un ingrédient important. La semaine précédente, j'ai été dans une conférence à Liverpool et il y avait une personne qui a parlé de la prise de décision et les politiques. Et il faut avoir une compréhension globale et les relations entre la Grande-Bretagne, la Jamaïque. Si nous on donne une certaine marginalisation et pour certaines immigrations, cela va devenir une menace. On doit comprendre cette approche ensemble. Nous vous remercions pour cette compréhension globale. Si nous regardons le contexte d'une façon beaucoup plus nécessaire, nous pouvons aller du niveau international vers le Ghana et c'est le centre de votre étude de cas. Vous êtes fasciné par le Ghana et à quel niveau vous avez vu le niveau de la gouvernance et du leadership? Comment vous avez vu le système de santé au Ghana en termes de gouvernance ou de leadership? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire du Ghana? J'aime beaucoup cette question et la raison derrière cela, l'histoire parle des tendances de l'Organisation mondiale de la santé et des organisations en Occident. Mais le Ghana a essayé de mettre cela en place par l'histoire. Les leaders communautaires, les leaders religieux ont essayé de mener cette approche de la santé internationale au niveau du Ghana et avec des fédérations, avec plusieurs associations ou le gouvernement du Ghana, ils ont essayé de faire cela. Les épidémiologistes, vous connaissez l'épidémiologiste Frank Epidium, dans les années, il était le tout premier épidémiologiste au Ghana et il est devenu le dirigeant d'une association en 1965, mais il n'a pas uniquement essayé d'éradiquer la maladie, cette maladie au Ghana, mais il a essayé de soutenir il a essayé de mener des initiatives. Et il a essayé d'éradiquer la variole au cours des années 60 au Ghana. Et il a essayé de mener des travaux entre les communautés locales avec les leaders religieux. Et Frank a eu un message lors de sa campagne d'essayer d'éradiquer la variole. Et il a dit qu'il a été capable d'écrire plusieurs choses et de rassembler plusieurs personnes. Et c'était un ingrédient. C'est essayer d'avoir un modèle qui est en conformité avec la réalité de la chose sur terrain et pas dicté par l'OMS ou par des organisations occidentales.
et il était au niveau, il était chrétien et il a essayé de mélanger tout ce qui est international et l'identité locale afin de soutenir les personnes et les parties prenantes sur le niveau local et essayer aussi d'aller envers les églises locales pour pouvoir mener un programme de vaccination nationale. Mais ce que nous avons appris du Ghana, nous avons appris que la foi et la santé peuvent être ensemble pour servir la communauté et lutter contre les maladies. Vous avez reconnu notre pays comme étant une partie dans le développement de la santé internationale. Vous avez parlé du financement. Et là, je vais vous poser une autre question. Dans votre livre, vous avez parlé et vous avez reconnu les biens religieux qui représentent 40 à 50 du système de la santé nationale et précisément au niveau de mon pays et au niveau d'autres pays. Le financement est très important. Les missionnaires et les personnes de la religion ont essayé d'établir ce genre de système en relation avec la religion et la comment les personnes qui travaillent sur la religion ainsi que les personnes qui ont plaidé pour la religion et les leaders religieux, comment ils ont contribué au financement de la santé. C'est une expérience qui m'a surpris au cours de la recherche des dernières années. Aux Pays-Bas, en Allemagne, des personnes qui ont été financées des pays en Afrique à partir des années 50. Il y a des raisons derrière cela et on peut les exploiter, les explorer à travers plusieurs aspects. Les États-Unis font une liaison entre les leaders religieux. Il y a un rapport en 1966 des États-Unis entre le Ghana a reçu 350 millions de dollars en ce qui concerne des aides de santé, des aides alimentaires, je veux dire, et c'est un montant énorme. Comment ils ont pu faire cela sur le plan infrastructurel? Ce sont les organisations basées sur la foi, à travers les sponsors, à travers les hôpitaux et à travers aussi les églises qui étaient capables de distribuer ces aides et ce soutien alimentaire. C'est une histoire réussie pour pouvoir comprendre cette infrastructure fondamentale qui est fournie, pas uniquement dans les aides alimentaires, mais à travers d'autres initiatives et d'autres programmes. Si nous regardons le futur, on ne peut pas voir cela, mais si nous regardons le passé, la relation entre la santé internationale et les organisations basées sur la foi, on ne peut pas les séparer. On doit comprendre ces liens bien tissés entre les deux. Il faut reconnaître la contribution de nos partenaires qu'ils ont contribué à travers des ressources, des idées, des financements et une contribution volontaire. Il faut reconnaître le rôle du Ghana dans cela pour être logique. Au cours des 20 dernières années, le système de santé de Ghana, si je regarde l'engagement envers nos contributions, je suis vraiment inspirée, mais je connais les limites, les défis, je connais les problèmes que nous pouvons rencontrer. Dans une perspective de 100 ans, de 100 années dans le système de la santé internationale, il y a des problèmes
que vous avez pu identifier et qui sont en relation avec les circonstances et le fait de passer vers le futur et vers un positionnement futur. J'aime beaucoup cette question. Si nous se soucions de quelque chose, il faut travailler dedans. La commission chrétienne internationale des années 60 a demandé comment notre histoire de santé que nous sommes en train d'écrire va nous donner une idée sur tout ce qui a été dit par Jésus. Et les services basés sur la foi se focalisent sur les approvisionnements de la santé, des facilités et des installations hospitalières. Jésus était là et ne veut pas laisser tomber les personnes. Cela veut dire que la santé devra être notre pilier d'investissement. Et il faut être proche et il faut rencontrer les personnes là où ils sont. Avant les années 60, les missions se focalisaient sur les hôpitaux. Il y avait des personnes, des endroits là où nous pouvons construire de la confiance pour avoir, nous pouvons mettre en place des relations avec les communautés. Les journaux africains dans les années 30 et les années 20 parlaient de côté sanitaire. Et avant cela, les missions des organisations chrétiennes de santé étaient en train d'investir dans la santé maternelle et la santé infantile. Au Ghana, entre 1952 et 1954, le taux de mortalité à la naissance a augmenté de 18 par 1000 naissances jusqu'à 21 par 1000 naissances. Les missions ont arrêté de se focaliser sur la santé maternelle et la santé infantile et la santé reproductive. Et il faut avoir des approches durables. Au lieu de se focaliser sur la confiance, il faut se focaliser sur la majorité. Les missions n'ont pas investi sur nos besoins au quotidien. Quelle est l'histoire que nous sommes en train de donner en ce qui concerne la santé et qu'est-ce que Jésus nous a dit? Ce n'est pas comment nous sommes en train de le faire et pourquoi, c'est aussi en relation avec pourquoi et comment nous sommes en train de le faire. Je reconnais votre expérience, monsieur. Donc, nous arrivons à la fin de notre conversation importante. Nous regardons le futur, donc une période de 100 ans en avant. Nous allons parler de l'histoire. Je connais une façon formidable de le faire. Quelle est l'histoire en ce qui concerne l'engagement des politiques de la santé internationale? Quels sont les points en termes d'histoire, en termes de pratique, qu'ils ont défié le système? Les histoires sont très importantes et nous sommes en train de voir dans le monde entier. Merci de nous partager avec nous. Has lasted. It has endured because it's been partly because it's been adaptable and resilient. Cela a été adaptable et résistant. Et les personnes au Ghana et les missions au Ghana, les missions chrétiennes au Ghana, ils ont changé la façon avec laquelle nous avons compris le système de santé. Et lorsque les tendances internationales se sont dirigées vers une autre direction, ce secteur de la santé internationale pourra adapter des programmes et qui a été sur les années 80 et c'était un système qui a été popularisé dans tout le territoire, mais il y avait une certaine résilience même au cours des crises économiques et il y avait une présence qui a duré pour plusieurs années. Un autre événement, si je regarde les années, c'est le fait d'essayer de trouver des solutions à cette histoire et nous essayons de le comprendre.
42% des organisations de santé sont gérées par des organisations chrétiennes et nous pouvons avoir un taux beaucoup plus élevé dans d'autres pays. Mais si nous regardons les voies qui ont été créées, on a vu plusieurs associations qui étaient créées par les locaux au niveau de Ghana, mais certains aspects ont été négligés. Donc, dans le livre, vous pouvez voir des points qui peuvent être illuminés dans ce sens. J'aimerais bien revenir à la question. On doit comprendre l'histoire à long terme du système de santé et l'histoire derrière cela et comment Jésus a parlé de cela et essayé de lier les propos de Jésus en ce qui concerne la santé et le lier à cette histoire. Nous essayons de continuer que la majorité de la population au monde aura un accès à la santé et essayer de soutenir la justice durable. Et ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle histoire là où il y a beaucoup plus de personnes. Je vous remercie pour ce partage, le rôle, la contribution et cette adaptabilité, la résilience, ainsi que l'inclusion, afin de promouvoir ces solutions. C'est très pertinent pour pouvoir partager cela avec nous, de revoir le système qui est inclusif, résilient et intégral. Je vous remercie pour le fait de partager avec nous les atouts de votre livre et nous vous remercions encore une fois. Félicitations pour le leadership. Merci beaucoup, Peter, pour votre encouragement et votre soutien. C'est très. Vous êtes un champion du système. Merci. Je vous remercie, Ben et Peter. C'était une conversation importante pour moi. Nous connaissons notre histoire et à quel niveau l'histoire est capable de nous donner des dynamiques et de nous donner comment peut-on changer notre histoire. Je n'avais pas une idée sur l'histoire du Ghana et comment ils ont mené des changements. Ce que nous pouvons avoir, ce sont des histoires basées sur des points de vue occidentaux, européens ou américains. Mais aujourd'hui, c'est un partage que nous avons essayé de voir. Maintenant, nous allons donner la parole et apprendre à renforcer les capacités à faire et à ne pas faire dans le contexte local. Et nous avons encore un exemple du Sénégal. Et Wilma Mieux est gestionnaire de programme au World Faith Development Dialogue et soutient principalement des projets sur la santé maternelle et infantile en Afrique de l'Ouest. Elle a été volontaire du Peace Corps dans le sud du Sénégal de 2010 à 2013 et travaille avec les communautés locales. Ibrahim Etia travaille dans le cadre des religieux pour la santé et le développement depuis 2018. En tant que consultant en communication, il est spécialiste de l'information et de la communication avec une expertise approfondie de 15 ans dans la recherche de la gestion et le leadership national et international. William et Brahima vont faire leur présentation en français et si vous souhaitez entendre leur présentation en anglais, veuillez aller sur l'interprétation en bas de l'écran et sélectionner l'anglais. Je donne la parole à Ibrahima et Wilma. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Wilma et je suis avec mon collègue Ibrahima Etia. Aujourd'hui, je vais présenter un peu de l'histoire sur le CRHST au Sénégal et puis mon collègue Ibrahima va discuter spécifiquement sur le volet de médias. Next slide, please.
Next slide, please. Okay. Le cadre des religieuses pour la santé et le développement, ou bien CRSD, a fondé en 2014. Et la raison pour réunir le CRSD était d'assembler les familles religieuses, les associations islamiques, et aussi les églises catholiques et luthériennes au Sénégal. Au début, c'est juste un groupe. Et puis, nous avons ces étapes par étapes, commencer avec un groupe jusqu'à une association. Et après, en 2020, CRSD était formé un ONG officiel avec le gouvernement sénégal. Dans notre travail, nous toujours parler de renforcement des capacités. Et nous sommes toujours en communication et discussion sur les besoins de l'organisation et la meilleure façon que nous pouvons leur soutenir. Au début, on a focalisé sur trois volets, les causeries, les visites de courtoisie et le suivi d'évaluation. Le CRSD veut travailler dans le volet de médias, mais ils ont fait très prudemment. Ils ont commencé lentement avec les sports radio. Et quand je parlais avec les chefs religieuses, ils ont dit que le public n'est pas prêt de voir les religieuses parler sur planification familiale à la télévision. Pour nous, nous soutenons le travail de nos partenaires en décalant la prise de décision. Pendant la pandémie de COVID-19, nos efforts de transfert de pouvoir et la localisation ont testé avec la situation qui était toujours évolué, le CRSD a pu continuer et adapter le travail sur la planification familiale. Et un aspect clé était le média. Avec une fondation très forte, ils pouvaient décalanter leur travail sur le média. Et maintenant, je passe la parole à mon collègue Ibrahima. Merci, merci beaucoup Wilma. Bonjour à tout le monde. Comme indiqué sur la présentation, on travaille depuis quelque temps sur la question de la communication et de l'information autour des actions du cadre des religieux pour la santé et le développement. Slide, s'il vous plaît. Voilà. Donc, comme Wilma l'a terminé, en fait, au début, les religieux ne souhaitaient pas trop se présenter devant les médias pour se prononcer sur des questions aussi sensibles que la planification familiale, parce que le Sénégal est un pays à 95% constitué de croyants. Donc, les religieux, aussi bien les musulmans que les chrétiens, ne voulaient pas trop se prononcer sur la question à la télévision, à la radio, etc. Mais quand ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de désinformation et de manipulation autour de la question de l'espacement des naissances, autour de la question de la planification familiale, on les a convaincus, les membres du CRSD, les religieux, à pouvoir quand même jouer véritablement leur rôle sur la conscientisation des masses, sur la conscientisation des communautés, sur l'importance de la santé,
sur l'importance de l'espacement des naissances, sur l'importance de la planification familiale. Alors, pour atteindre l'objectif, on a utilisé dans un premier temps les médias de masse, parce que les médias de masse sont très utilisés en Afrique de l'Ouest, au Sénégal particulièrement. Premièrement, la radio. Parce qu'au Sénégal, dans les coins les plus reclus de ce pays, dans les villages les plus profonds, dans les communes les plus lointaines, la radio est occupée. Donc, la radio est le principal média de proximité, le principal média à chaud de proximité au Sénégal. C'est pourquoi on a positionné la radio comme canal pour pouvoir atteindre les cibles. Alors, pourquoi la radio? Pour permettre également aux populations de pouvoir interagir avec les religieux qui animent ces émissions-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé les religieux à pouvoir intervenir dans ces différentes émissions radio. Donc, à travers des séances de débriefing qu'on a fait avec eux pour les préparer sur les techniques de communication de masse, sur les techniques de communication à la radio, tout en les invitant à bien maîtriser les thématiques. Alors, donc, on a pu organiser différentes émissions dans pratiquement toutes les régions du Sénégal, des émissions radio interactives. On a également utilisé la radio pour faire passer des appels des chefs religieux. Parce que quand vous venez au Sénégal, on a ici des confréries religieuses et les responsables, ce qu'on appelle les califes, les chefs de ces confréries religieuses sont extrêmement influents. Donc, on a enregistré ces chefs religieux, ils ont fait des appels pour que les populations puissent faire l'espacement des naissances. Donc, on a utilisé la radio pour faire passer les appels, on a utilisé la radio pour faire passer des spots. Et en plus de cela, les émissions interactives qui ont permis aux populations de pouvoir poser directement des questions aux religieux qui étaient à la radio pour expliquer l'importance de la planification familiale, mais en se basant sur des argumentaires religieux. Donc, ils ont pu convaincre les populations à travers des argumentaires religieux. À côté de la radio, un autre média de masse qu'on utilise et qu'on continue à utiliser, c'est la télévision. Parce que, quelque temps, il y a un boom médiatique au Sénégal. Donc, on a des télévisions nationales, une quinzaine de télévisions nationales et des télévisions régionales. Pratiquement, au Sénégal, il y a maintenant des télévisions régionales. Dans chaque région, il y a des télévisions régionales. Et en plus de cela, il y a un nouveau phénomène qui constitue les réseaux câblés de télévision, qui constituent des télévisions communales ou bien des télévisions de quartier. Au Sénégal, pratiquement chaque quartier a maintenant une télévision. Et c'est un opérateur qui diffuse à partir de cette télévision-là des programmes qui intéressent la population de ce quartier-là, qui intéressent la population de cette commune-là. Alors nous, on a utilisé ces télévisions-là, ces moyens-là pour faire passer des messages. Donc, les religieux sont partis à la télévision, au niveau de ces télévisions-là, pour animer des émissions, mais également des capsules vidéo qu'on avait produites et qu'on a fait diffuser à travers ces télévisions-là. En plus de ça, il y a la presse écrite qui est très bien suivie. Il y a différentes interviews qu'on a faites avec les religieux. Pour qu'il explique vraiment aux populations l'importance de l'espace. Les réseaux sociaux. Une bonne partie de la population sénégalaise utilise les réseaux sociaux, en majorité les jeunes. À 90% ou plus, tout le monde est connecté au Sénégal. Donc, on a utilisé les réseaux sociaux pour sensibiliser
les populations. Et là également, d'aucuns se posaient la question à savoir qu'est-ce que les religieux font sur les réseaux sociaux. Et là, on a produit beaucoup de capsules vidéo, beaucoup de spots qu'on a diffusés à travers les réseaux sociaux. Et ces différentes actions de communication nous ont permis d'avoir un impact réel sur la population. Et on a pu constater cela parce qu'aujourd'hui, le taux d'utilisation des services de planification familiale a nettement augmenté, surtout dans les régions les plus reculées, et cela grâce aux interventions du CRFD, grâce aux interventions qu'on a pu faire à travers les médias. Slide. Donc, ces différentes interventions à travers les médias ont permis vraiment d'avoir des résultats assez probants. Donc, sur ce slide-là, vous verrez les statistiques, les émissions qu'on a pu organiser partout au Sénégal, le nombre d'émissions qu'on a organisées, le nombre de personnes touchées, les capsules, les publi-reportages qu'on a pu donc organiser depuis 2019, 2020, 2021, les différentes capsules donc, et toutes les productions qu'on a faites au Sénégal et qui ont été diffusées sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal se glorifie des avancées qui ont été notées sur la question de l'utilisation de la planification familiale, et cela grâce au travail des religieux. On sort d'une conférence nationale au mois de mai dernier, une conférence nationale sur l'accord des religieux sur la question de la capture du dividende démographique. Et là, il y avait le ministre qui était là et qui était venu saluer le travail du CRFD, qui était venu encourager le CRFD vraiment pour son appui sur les questions de promotion de la planification familiale. Je termine en vous invitant à regarder cette vidéo. Thank you so much. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous donnera un aperçu sur l'ensemble des activités qu'on a pu organiser avec les religieux. Merci. Le prochain slide. Thank you so much, Ibrahima. Thank you so much for that discussion. We really do appreciate all of the insights. Merci infiniment. Merci pour toutes les informations apportées, notamment le travail avec les leaders religieux et voir les récits que vous avez faits pour parvenir à des résultats positifs, la promotion de ces espaces. Je sais qu'il y a des parties qui sont un peu réticentes et que votre travail est pas bien interprété ou mal perçu. Donc, la manière avec laquelle vous étiez en mesure de coopérer, d'attirer les personnes d'influence, les religieux. C'est une bonne stratégie pour travailler avec les réseaux sociaux, avec le secteur des médias. C'est une très bonne expérience. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, M. Ibrahim. Maintenant, on va passer au prochain panéliste. S'il vous plaît, rappelez-vous d'écrire vos questions dans le chat box. Et on répondra à vos questions à la fin. Après, on va parler de théologiste. Une conversation sur nous allons maintenant entendre un exposé sur la théologie, l'éthique et la santé publique. Une conversation sur le changement des normes sociales, le planning familial au Malawi avec trois panélistes. Nous avons Cécile Tenga-Tenga. Emily travaille comme conseillère technique principale pour le World Relief, où elle soutient le projet Scope. Elle était auparavant présidente de directrice générale de la House of Mercy dans la région de Charlotte, en Caraïbe du Nord. Un ministre des Sœurs de la Miséricorde pour les personnes vivant avec le VIH. Elle a occupé des postes de direction et de technicien dans les programmes humanitaire de santé, de nutrition et des programmes communautaires de lutte contre le VIH. Le révérend James Tengeteng est membre de l'Église anglicane depuis 1985. Il a été président de l'Anglican Family Network, président du Conseil anglicain du Malawi à deux reprises, du président du Conseil des Églises du Malawi. Il fait actuellement partie du comité des subventions de CIM et est membre de son conseil d'administration. Cécile Ngoni, James est chercheur en santé publique spécialisée dans les maladies infectieuses et hépatiques, les systèmes de santé numérique, la biométrie et les politiques de santé. Il est également
praticiens et participent à des initiatives confessionnelles dans le monde entier au sein de la commission de l'Église anglicane dans laquelle il est ministre laïque et cliniquement formé à l'aumônerie de santé. À vous la parole, Evelyne. Notre présentation aujourd'hui va... on entend très mal. Notre objectif, c'est d'aider comme manière qui peuvent aider à impliquer les théologiens, leur sagesse, notamment dans le domaine de la planification familiale. Il y aura des études de cas de manière comment impliquer davantage dans le développement, l'adaptation des programmes de la vie familiale. La théologie, James Tegander. La santé, la plénitude, le bien-être, la grossesse et les valeurs religieuses ont des valeurs qu'on voit dans les différents versets. Avec le premier génocide, avec le psalme 127, où les enfants sont bénis. Apporter des enfants, ce n'est pas un processus biologique, mais c'est également un commandement, une attente, une expectation de la part de Dieu. Alors, se désister d'avoir des enfants, c'est perçu comme, en fait, un processus naturel, mais une désobéissance à Dieu. Car dans ce ciel-esprit, il devient clair comment le discours de la contraception dans les traditions sont forgés. Toutes les cultures et les traditions ont trouvé des manières de naviguer le terrain pour appliquer également en parallèle les normes religieuses et les normes éthiques également. La volonté la volonté libre, c'est la manière avec laquelle les individus exercent leur désir. Mais qu'est-ce qui oriente cette volonté et comment est-elle exprimée, pardon? Alors, dans les églises, il y a des études et des moments d'éducation sont le moment d'inculquer les lois, les normes, la théologie librique qui utilise des idées pédagogiques, des études bibliques qui se basent sur les communautés, examinent et voient quelles sont la dissémination des normes, quels sont les changements à travers les expériences en les mettant dans leur contexte et pour mettre un terme à la monopolie de l'élite. Et le système patriarcal est conféré aux agences, notamment les femmes, pour s'articuler davantage. Gustave, un théologien très important, qui a dit qu'il y a d'abord la libération de la situation socio-économique d'oppression et marginalisation qui oblige plusieurs à vivre dans des conditions déplorables qui sont contraires au souhait de Dieu. Mais ce n'est pas assez. Que nous voulons nous libérer des structures, de l'oppression de structures socio-économiques. Il y a le besoin de la transformation personnelle qui va avoir un impact sur les libertés et sur les comportements et pour assouvir les besoins de Dieu. En fait, si on va se baser sur la Bible, la chose la plus importante, c'est le Magnificat. Non pas parce que c'est... coupure de sang, même à cause si les normes, l'intervention de normes de changement planifiée dans la planification familiale et va réussir la démocratisation des processus et des connaissances et des agences du Malawi et des femmes est quelque chose de très important. Le changement ne peut pas se faire de manière externe, mais doit se faire par les communautés éduquées. Si c'est pour le bon, c'est pour l'intérêt des sociétés. Les interventions ont montré leur sagesse lorsque les facteurs et moteurs émanent de l'intérieur. Pour qu'il y ait obligation politique qui ne dignit pas la volonté des agences et le souhait des femmes.
les agences locales utilisent pas uniquement les connaissances et le langage local avec la sensibilité locale, mais elles les autonomisent en garantissant la durabilité et la prospérité. Ça demande beaucoup d'interventions de changement qui sont théologiques et non théologiques, comme l'imagination prophétique, pour pouvoir parvenir à cette fin. C'est l'intention de Jésus d'avoir une vie de manière abondante. Question critique, la première, quelles sont les éthiques de la procréation? Alors, la première question, quelles sont les éthiques qui régissent le discours public portant sur la santé reproductive au Malawi? Comment la particularité de certains contextes éthiques de certains pays peuvent être attribués aux efforts visant à avancer les actions de la santé publique? Donc, ici, nous suggérons que ces réalités ne soient pas conditionnées. Et en tant que tel, il faut décrire des questions importantes. Intégrer notre étude de cas, le son est très faible. Pardon. On va commencer avec deux questions très importantes qu'on vient de citer tout à l'heure. Prochaine diapositive. La fluidité de l'accouplement reproductif. Monsieur Lee est très rapide. Est-ce qu'on pourrait lui demander de réduire un peu de sa vitesse, s'il vous plaît? Je vais dire ce qui est écrit. Alors, il y a eu des tentatives pour qu'il y ait pour améliorer le secteur de la santé reproductive au Malawi par des régimes de santé publique qui supposent qu'il y ait homogénéité éthique et des privilèges accordés. C'est ce que Scott Morgason a considéré comme sexualité réglée, qui insiste sur un mariage sexuel, monogame, individualistique, comme un archétype pour l'accouplement reproductif dans la planification familiale. L'optimisation les familles élargies contre les familles rétrécies et l'intersection des normes sociales. Donc, la réponse à la première question, la réponse est oui, mais il y a une résistance à l'application des régimes de santé publique qui sont informés. On n'entend pas très bien, le son est très loin, excusez-nous, pour le public francophone. Il y a pas, l'orateur n'utilise pas de casque et on l'entend très mal. Comment les mères porteuses offrent en fait des scénarios de simplification? Là, je vais parler de trois cas. Donc, dans le premier cas, ça parle d'infertilité. Dans le deuxième cas, dans le premier cas où on parle d'approche de couple pour parler, discuter des solutions possibles à l'infertilité. Un expert est recruté et aide les couples pour concevoir dans leur conception. Scénario numéro 2, des approches entre frères et sœurs pour faire des arrangements. Pardon, on entend très mal et monsieur réagit rapidement. Pour s'assurer l'autonomie des couples et que les droits des communautés à ces communautés sont garantis en s'arrangeant que la reproduction et la grossesse se fait avec le paradigme de la communauté et en gardant en esprit leurs besoins. Pour conclure,
La planification familiale, c'est une intervention qui est faite avec des résultats spécifiques. On doit voir quelles sont les pratiques existantes, comme la maternité de substitution, c'est-à-dire les mères porteuses, et pour coexister dans le monde moderne. Dans le monde des mères porteuses, le régime de la santé publique peut trouver des homologues avec une éthique, avec un échange pour voir quels sont les écarts à combler et savoir quels sont les systèmes pour déterminer les résultats qui peuvent s'offrir aux communautés. Nous offrons une étude de cas dans la prochaine section. Alors, je voudrais présenter le projet et voir comment on a introduit ces lignes directives. SCOPE, en fait, c'est un projet de l'IAD qui voudrait ajuster les facteurs clés de la mortalité maternelle et infantile à plusieurs niveaux dans un pays comme le Malawi. On voudrait accroître l'accès de l'utilisation des services de santé qui sont critiques pour les femmes, les enfants, pour s'assurer qu'il y a des comportements sains et des services de santé de qualité et des services et des installations de qualité pour les communautés. Nous avons plusieurs interventions qui sont mentionnées ici, y compris des actions spécifiques qui visent à parvenir à des niveaux modernes de contraception, par exemple. Par exemple, on parle et les proportions de femmes qui sont conseillées sur la planification familiale pendant cette période où le groupe d'experts les a. L'une des approches décidées, c'est de faire des interventions ciblées pour parler de planification familiale et de la décision prise. Ce programme et son déploiement a commencé avec d'autres parties prenantes et les leaders religieux. Il y a une reconnaissance de couples avec au niveau de les communautés locales qui sont en mesure de ramener des groupes de pères et autres couples au sein de la communauté ou de même réseau de confessionnels et se ventiler en petits groupes. Donc, se rencontrer pendant 10 séances et s'engager dans le dialogue sur différentes thématiques. Dans ce document, nous avons mentionné au début, on a parlé de l'éthique. Il y a deux cadres importants. Je voudrais mettre l'accent pourquoi on fait ces programmes. Et nous sommes familiers au concept qui aide les individus et les communautés à achever leur santé et minimiser le préjudice à subir, le respect pour tous. On doit traiter les personnes en tant que telles. Nous appuyons les autres pour leur prendre des décisions à chaque fois que possible. Lorsque les ressources ne s'offrent pas à tout le monde, de manière à ce que ça apporte un sens et c'est accepté pour les communautés à appuyer ceux et celles qui sont dans le besoin et qui n'ont pas accès à ceci. La réciprocité à aider les uns les autres et pour qu'il y ait responsabilité conjointe et objectif commun avec une expertise approuvée. La solidarité, c'est le travail ensemble pour montrer qu'il y a, un besoin. Notre engagement, c'est un point fort pour approcher les communautés et intégrer les personnes de la communauté de manière à prendre soin de leurs voisins et des personnes qui connaissent ça. Alors, l'une des manières pour intégrer ceci avec les familles ensemble, on fait du bien sans préjudice, on reconnaît que le désir des personnes par rapport à la fertilité et la politique familiale, c'est très important. Par exemple, c'est le cas au Malawi par rapport à les personnes avec lesquelles on travaille. Pour les autres, ça porte sur les infertilités et pour les autres, ça parle sur la solidarité, libération pour les autres. Un exemple que nous utilisons dans notre curricula, c'est de mettre une histoire d'un couple qui a pris une décision de manière conjointe pour ne pas avoir davantage d'enfants. Nous avons fait un jeu de rôle d'un couple qui fait la rencontre d'un professionnel de santé qui interagit sur le fait de limiter le nombre de membres de la famille. Par exemple, on travaille également sur un nombre de fertilité. On fait des activités qui explorent les dynamiques de pouvoir et qu'on traite dessus de manière indirecte à travers les expériences que les couples vont partager entre eux-mêmes au lieu de
de faire des entretiens pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, leur réciprocité. Il y a eu des experts avec des personnes de santé et on leur a permis d'être ceux et celles qui parlent de choses techniques pour notamment des méthodes contraceptives. Et ensuite, les couples et les groupes de pères mettent l'accent sur le partage selon leur propre langage. En termes de solidarité, on inclut les leaders religieux pour les couples et les groupes de genre pour engager des dialogues pour exprimer les valeurs qu'ils trouvent dans la communauté de confessionnels pour voir quelles sont les actions qu'ils vont entreprendre pour eux, pour les autres au sein de leur communauté. On fait le lien social avec les activités faites pour la mobilisation sociale et la responsabilité ou l'acceptabilité sociale. Une fois, lorsqu'il y a agglomération de tous ces groupes, en fait, défie le système patriarcal, la pression, et savoir comment, mais ne pas explorer et intégrer leurs valeurs qui se rapportent sur la reproduction et qu'est-ce que ça signifie d'être un couple dans leur contexte. Alors, on fait une instruction orientée, guidée par notre collègue au Malawi. Par exemple, l'église au Malawi a fait une instruction très importante pour voir quelles sont la communication, la confiance mutuelle lorsqu'on parle de relations de couple. Donc là, c'est l'expérience et des priorités tracées par le CID et on a besoin de mettre des preuves évidentes, des programmes de planification et d'autres. Madame est très rapide et des individus. Il faut améliorer la nature de la communication entre les couples et développer la confiance mutuelle, explorer la sélection et le pouvoir dans ce dialogue. Mais c'est un tout pour appuyer la transformation en apportant les valeurs tout ensemble pour qu'il y ait des relations saines et sereines. Donc, cette interaction se fait à travers des histoires, des jeux de rôle, des discussions, des dialogues. Tout ceci a offert aux partenaires de se joindre au processus de prise de décision, notamment par rapport à la santé. Santé qui est un sujet très fort, très proche de leur cœur. Et oui, il y a d'autres expressions peut être efficace dans la santé reproductive et d'appuyer et d'accroître l'appui mutuel. Alors, une loi d'équilibre répond également aux donateurs, également aux communications techniques et directes. Il n'y a aucun préjudice par rapport au travail qui est fait dans un monde qui change. Mais c'est notre intention de voir quels sont à s'ouvrir les besoins des donateurs. Donc, c'est nécessaire de montrer que voilà, nous déployons les ressources de manière optimale et judicieuse pour avoir davantage de financement. Et plusieurs d'entre nous essaient de respecter ces lignes. Nous, on sait où est-ce qu'on va aller en tant que centre qui opère dans le secteur de la santé publique. Merci. Excusez-nous pour les écarts. Merci à Émilie, Révérend Tenga. Ceci est très important pour savoir comment les leaders religieux peuvent être importants dans l'examen des certaines questions, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce qui est important ici, c'est que votre exemple a montré, en fait, de manière spécifique au contexte, de manière à travailler avec les familles dans le domaine de la santé reproductive et d'avoir notre culture en tant qu'Africain et d'être en mesure, dans ce même espace, de voir quels sont les effets négatifs comme le système patriarcal
poser des questions dans le système confessionnel. Ceci a été très utile pour nous tous. Merci à toutes. Par la suite, nous allons en apprendre davantage sur le sur ce coprojet, le modèle d'éducation à la vie familiale du projet SCOPE par Denis Manguel, directeur pour l'Afrique de la mission intégrale mise en œuvre et intégration World Relief. Merci infiniment, Evelyne. Bonjour, bon, bienvenue à toutes et à tous, chers collègues, chers participants, participantes. Je voudrais, en fait, construire ce qui a été avancé par ma collègue Evelyne par rapport à certains points communs, en continuant avec sur l'un des aspects notre SCOPE, programme SCOPE, auquel elle a fait référence tout à l'heure. Prochaine diapositive. Alors, ça, c'est un aperçu de ma présentation. Donc, je mettrai l'accent sur l'éducation à la vie familiale. Alors, notre programme SCOPE contribue à la réduction de la morbidité et la mortalité maternelle et infantile évitable dans certains districts d'Haïti, du Kenya, du Malawi et du Sud-Soudan, les quatre pays en question. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, l'un des acteurs clés dans ce processus ou des acteurs de confessionnels, lorsqu'on réfléchit aux différents objectifs comme l'accès à des services de qualité et travailler avec plusieurs acteurs pour fournir des services de qualité aux fichiers aux femmes pardon, dans un âge de reproduction et des enfants ayant 5 ans. On voit au niveau des bulles à gauche, chacune des bulles représente tout un ensemble d'activités. L'objectif de cette présentation, je vais mettre sur la bulle relative à la bulle des leaders religieux, des acteurs confessionnels. L'éducation à la vie familiale. Son objectif, c'est de donner aux responsables religieux les moyens de communiquer sur la santé sexuelle et reproductive du point de vue des chrétiens et des musulmans. Donc, on s'engage avec les communautés, les leaders religieux pour acquérir les outils pour rendre servir nos communautés. Ces outils aident les leaders religieux à comprendre mieux la mentalité, le système de valeurs et de croyances qui existent au sein de nos communautés, parce que des fois, ça nous empêche d'adopter un comportement sain, et notamment lorsqu'on parle de santé sexuelle et reproductive. Ce sont ces initiatives importantes. C'est là qu'on a commencé à intégrer l'éducation à la vie familiale au Malawi, et en travaillant avec les leaders religieux. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'on entend par l'éducation à la vie familiale? L'éducation, c'est un programme qui sensibilise les responsables religieux, les leaders religieux et leurs conjoints et les membres clés aux messages sur la santé génésique et à leur utilisation au sein de leur communauté religieuse. Le programme a été abordé dans le cadre de 5 ateliers dans lesquels les participants se sont réunis une fois par semaine pendant 5 semaines consécutives. Le 5e et dernier atelier comprenait la remise des diplômes et la création par les éducateurs et des plans d'action qui seront amenés à suivre sur la manière dont ils allaient s'engager avec les communautés religieuses sur les messages clés de la formation. Tout ceci pour comprendre la vie familiale et ses différentes problématiques. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ce que l'on voit ici, c'est le contenu de l'éducation à la vie familiale et les différents ateliers de travail qui ont été organisés. Comme vous pouvez voir, il y a 5 ateliers de travail, comme c'est mentionné. Chaque atelier met l'accent sur un domaine spécifique.
je vais vous juste de donner, je vais vous lire les titres. Nous avons, comme vous pouvez le voir, nous avons, il y a des sections sur les jeunes. Ceci a conféré une opportunité pour les leaders religieux pour parler de sujets qui affectent la vie familiale, y compris la problématique de le planning familial. C'est une opportunité pour voir quelles sont les mythes relatifs et les faits de la famille. Et le jeu de rôle était très critique et essentiel pour comprendre ces messages. Projet diapositive, s'il vous plaît. Alors, ce programme n'est pas totalement nouveau, mais il a vu le jour au passé. Il a été adapté par Scope à partir d'un programme approuvé par l'USAID et utilisé dans de projets antérieurs financés par l'USAID. Donc, les adaptations consistaient à élargir le public visé afin de renforcer la capacité des chefs religieux à communiquer avec les membres de la communauté, y compris les jeunes, sur des sujets sensibles liés au planning familial et à la santé génétique. Le programme a également été adapté pour inclure les écritures musulmanes afin de garantir l'inclusion des principales confessions dans les zones de projet. Donc, ils étaient en mesure de toucher à toutes les catégories et toutes personnes dans les zones d'influence. L'objectif, c'est que le programme sera en mesure que les jeunes et les jeunes adultes seront en mesure d'écouter de toutes et de tous, toutes les tranches de la communauté, tantes, oncles, femmes, pères, de manière à ce que l'éducation familiale est entendue et débattue par toutes et tous. Mais il y a une adaptation clé également, c'est l'inclusion, comme je vous ai dit, des écritures musulmanes, afin de garantir l'inclusion des principales confessions. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, quelques thèmes clés qui ont émergé pendant ce processus. Ce programme a été traduit et testé dans plusieurs langues, après avoir, dans 4 pays, après avoir tenu une série de réunions, d'ateliers pour une révision majeure. Au total, 81 chefs religieux nationaux et sous-nationaux, chrétiens et musulmans, ont participé au test pilote et au processus de contextualisation, adaptation, révision. Le programme a également été traduit en 4 langues locales. Et ça, c'est très important, un aspect très important, parce que la majorité des aspects n'était pas facile d'être débattu à notre perspective. Donc, après avoir eu la permission des leaders clés, et ça a été traduit en 4 langues au Zandé, au Sudan, au Chihuahua, au Malawi, et ces traductions ont aidé en faciliter les conversations entre chefs religieux afin de comprendre l'utilisation de ce programme à partir avec leur propre langage au lieu d'utiliser d'autres langues. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, l'un des enseignements tirés clés par rapport au processus d'adaptation, c'est que Les tests pilotes avec les leaders religieux ça nous a permis d'adapter le contenu même s'il y a un contexte où nous avons la montée d'extrême droite. Mais nous avons appris également que si on investit de temps pour célébrer, c'est que chaque formation faite, le processus de certification avec des plans d'action, aide les chefs religieux à être nos ambassadeurs dans la région pour commencer à former d'autres dans la communauté via ces célébrations qui ont été faites vers la fin. Donc, ça les encourage à être en mesure de s'engager davantage au niveau de leur communauté. En fait, le système de discernement ou de
C'est une session qui aide les leaders d'église à faire ceci. Nous avons saisi cette opportunité pour intégrer les messages de vaccination de la COVID-19 au Malawi. Ces messages ont été diffusés à 3061 chefs religieux qui ont ensuite été mis au défi et encouragés à les diffuser auprès de leur congrégation et communauté religieuse. Ce type d'intégration aide énormément pour pouvoir parvenir à de meilleurs résultats. C'est nos accomplissements pendant nos sessions de traduction. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, prochaine diapositive également. Nous avons également une sorte de matrice d'évaluation et de modelage. Nous avons deux aspects de M et E. Le premier aspect, c'est des données qui sont recueillies durant la session de formation. Et deuxième chose, ce sont les données qui sont recueillies durant la session de formation. Prochaine, pour conclure. Pour ce faire, nous avons formé plus de 4000 chefs religieux sur les 4 pays et 40% de ces leaders sont des femmes, qu'ils soient chrétiens ou musulmans de confession. Et jusqu'à présent, nous attendons à ce qu'il y ait plus de chefs religieux s'engageant avec les jeunes dans l'éducation à la vie familiale, ainsi que le planning familial. Merci infiniment de votre écoute. Merci beaucoup, Danise. Oui, c'est une présentation très utile, importante. Il va nous montrer comment on peut utiliser ce programme. J'ai vraiment apprécié parce que ça nous montre comment on peut impliquer les chefs religieux d'une manière pertinente, responsable, pour s'adapter aux réalités locales et pour pouvoir utiliser les structures qui sont déjà mises en place. Encore une fois, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer et avancer. On va voir quelles sont les interventions portant sur avec Jedida Sempore, Madame Jedida Sempore. Medical doctor with additional training in public health focused on nutrition. She served as a subject matter expert for mother la nutrition au niveau de la protection de la santé des mères et des enfants. Sa passion dans ce domaine l'a motivée à poursuivre, à obtenir un doctorat en santé de la famille et développement. Elle a travaillé pour la protection et l'engagement. Elle était vraiment passionnée dans ce domaine, à pouvoir poursuivre et obtenir un doctorat en sciences de la famille et le développement humain. Bienvenue, docteur Jenna et docteur Jedida. Je suis Jedida du Compassion Burkina Faso et je vais vous parler comment nous travaillons avec les églises locales afin de travailler sur les interventions. Early childhood survival and development are the first two steps of Compassion International. Et nous avons travailler sur le programme du survie. C'est un projet qui est mis en place avec l'église locale avec compassion. Et nos cibles sont les femmes vulnérables et les enfants à travers des groupes et de travail de groupe afin de les mettre en place sur des pratiques, la sensibilisation et de promouvoir la croissance et le développement des enfants ainsi que la création des conditions économiques pour l'autonomisation des femmes et de mener des activités en
avec le côté social. Compassion a fourni des financements pour les survies au cours des 10 dernières années. Et aujourd'hui, nous essayons de travailler sur les survies et nous essayons de travailler sur une transition vers les travails qui sont en train d'être faits au niveau des églises. Et cela donne la capacité aux églises de travailler d'une façon autonome et d'une façon durable et aussi de lutter contre la malnutrition infantile. Et les femmes arrivent à l'église pour nourrir sur ces enfants qui sont malnutris et puis ils continuent par eux-mêmes. La transition commence par la sélection des critères et la création, sélection de l'église. La sélection, c'est la réputation au niveau de la communauté, la mobilisation des ressources locales ainsi que l'engagement des chefs religieux en ce qui concerne le développement des enfants, ainsi que la ligne de base des données afin de pouvoir mettre en place un programme de survie et un esprit de survie en termes de développement. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des églises si les implementing survival as it is with 100%. Commence à faire des financements, c'est d'aller vers la mise en place du programme Survival avec les ressources locales. Ainsi, de mettre la deuxième option, c'est de mettre en place un programme personnalisé en ce qui concerne survival avec les ressources locales. Cela veut dire que l'Église est limitée et n'a toujours besoin des ressources Compassion. Par la suite, ils peuvent arrêter la mise en place du programme Survival. Afin d'avoir une transition efficace, l'Église décide de continuer sur cette approche à 100% avec des ressources locales. C'est très important de développer une approche participative qui inclut l'Église dans dans tout le processus de la prise de décision, ainsi de souligner le niveau de la maturité des églises, ainsi que de renforcer les capacités d'engager l'église dans les problèmes en relation avec la mobilisation de la communauté, les ressources locales, là où la mère et l'enfant ont besoin d'identification. Ma collègue Diana va continuer à expliquer ce programme maintenant. Merci beaucoup, Jedida. Donc, on a vu comment Burkina Faso a été préparé. Je vais vous montrer un outil de développement qui va vous aider à développer ce processus. C'est un outil qui est basé sur littérature, qui est basé sur les programmes, la supervision ainsi que la communauté qui vont influencer le programme de transition. Nous essayons de soutenir les personnels de santé sur le côté volet local avec la planification et la clarification sur le côté organisationnel. Nous essayons de placer des programmes bien clairs. Et il y a aussi la participation de la communauté afin d'avoir une propriété locale. Nous avons aussi adapté les priorités afin d'évaluer le travail de l'Église, de mobiliser les ressources nécessaires et la prise de décision. En se basant sur ces éléments-là, nous pouvons évaluer à quel point l'Église est prête pour la transition et qui est souligné par MCSP afin d'identifier les lacunes. Notre travail, c'est d'inclure des églises qui sont prêtes pour l'évaluation des églises. Sur l'évaluation des églises, c'est un projet qui est
utilisé, fait sur deux parties. La première partie, c'est en relation avec la notification des églises. Comment ils sont en train de fonctionner sur plusieurs catégories, le rôle, le recrutement, l'engagement de la communauté et la mobilisation des ressources. La deuxième partie, c'est de donner des scores en ce qui concerne le benchmark. Et si nous continuons l'évaluation, l'auto-évaluation, et nous pouvons avoir une amélioration au niveau des compétences dans cette partie. Et nous pouvons avoir des notes qui sont beaucoup plus élevées si nous regardons la première phase de la notification. Ces éléments-là qui ont été identifiés avec des valeurs sont des composantes clés pour avoir une certaine durabilité sur la mise en place de la surveillance en ce qui concerne l'engagement de la communauté et d'autres catégories qui ont été évaluées pour pouvoir améliorer cela. Dans cette page, vous pouvez voir le programme de transition et à quel point les églises sont vraiment prêtes pour cela, pour la mobilisation. Dans cette description, nous pouvons voir les parties que nous pouvons trouver des éléments, les non fonctionnels, partiellement fonctionnels, fonctionnels et hautement fonctionnels. Et au cours de ces quatre étapes, nous pouvons identifier ce qui est en relation avec l'état actuel. Pour les catégories, nous pouvons avoir la mobilisation des ressources, le développement d'une stratégie pour avoir des ressources externes pour le projet Survival et nous pouvons aller vers le deuxième niveau qui est partiellement fonctionnel et nous pouvons avoir une supervision régulière pour aller vers le troisième niveau qui est fonctionnel et on va voir pourquoi on a sélectionné cette partie et l'Église pourra aller vers la deuxième partie des outils. C'est va donner la possibilité de correspondre à certaines notes et c'est un espace pour spécifier les activités, les parties prenantes, les ressources desquelles on a besoin dans cette étape. Donc, c'est un espace pour l'apprentissage et nous essayons de continuer à apprendre avec le programme de transition dans le programme. Deux éléments clés, c'est d'avoir un testing pilote avec la révision et la adaptation globale et avec les processus des cours des mois à venir, on aura beaucoup plus d'intention en ce qui concerne la planification, l'évaluation qui va aider à améliorer la durabilité de Survival. Notre projet est d'avoir des femmes qui sont avec nous. Nous sommes heureuses par le fait de donner cette occasion de partager avec le programme de transition on sera heureuse de voir quels sont les éléments qui vous ont trouvé essentiels pour cette propriété locale et la durabilité et d'évaluer l'efficacité et l'efficience de cette transition et ce processus. Merci beaucoup. Merci, Dr. Jadida, Dr. Diana. C'est un exemple pratique de la façon avec laquelle la transition pourra être faite d'une façon pragmatique. Et c'est les questions que nous avons et comment peut-on avoir cette capacité et nous pouvons voir comment nous pouvons commencer par des petites compétences ou des capacités limitées, mais nous pouvons réussir à travers une transition pour pouvoir mettre en place un programme durable et efficace. Merci beaucoup, Dr. Jadida et Dr. Diana. Donc, c'est la fin de notre présentation. J'aimerais bien remercier toutes les personnes qui ont présenté avec nous aujourd'hui afin de s'adresser à la thématique de la localisation et j'aimerais bien aussi reconnaître la contribution pour les compétences et le savoir que nous avons eu comme étant des acteurs locaux. Et on a regardé aussi les interventions, les approches que nous souhaitons mettre en place pour avoir des réponses adéquates
utilizing their knowledge et utiliser des compétences, des informations en ce qui concerne tout ce qui est accepté par les communautés. Et je pense que nous devons trouver une solution au problème là où, mais cela nous a montré que nous pouvons interagir d'une façon beaucoup plus intéressante et je vous remercie pour votre. Maintenant, nous aurons une session de questions-réponses. Vous pouvez écrire vos questions au niveau du chat et nous souhaitons avoir tous les panélistes présents pour qu'ils puissent répondre aux questions. Je vais aller vers la première question. La question, je suis en train de soutenir la localisation du développement. Oui, nous pouvons parler de la colonisation. Est-ce que je peux avoir un exemple spécifique au niveau des organisations locales et qui sont en train de mener des actions au niveau local? Merci beaucoup pour cette question. Ce qu'on a vu sur terrain, il y a une différence énorme. Notre objectif pour le développement, ce sont des communautés et les services de santé pour les communautés. Je vais prendre l'exemple de la santé physique, si nous parlons, et pour le bien-être de la communauté. La santé physique, cela veut dire que mon corps a ses propres mécanismes pour soutenir le fonctionnement de son propre corps. C'est la santé physique et c'est pareil à au système de la santé communautaire. Donc, le système de santé devra être capable de soutenir les chocs de service à la communauté et de faire cela d'une façon autonome. Et ce sont des responsabilités qu'on a à l'égard de la communauté. Et ce sont des responsabilités en relation avec les habitudes, l'hygiène, etc. Donc, il faut comprendre cela. Et il y a une similitude énorme entre la santé individuelle et la santé. En ce qui concerne la durabilité, il y a un programme qui est en train d'être ouvert pour, avec des sigles, de trouver des ressources pour la communauté afin d'être capable d'utiliser ces ressources-là pour la communauté afin de trouver des solutions pour elle-même. Et ce sont des cycles. Les organisations basées sur la foi sont en train de promouvoir la confiance, sont en train de travailler d'une façon sur des réseaux et ils peuvent aller au-delà des projets et ils peuvent développer leurs atouts. Donc, la durabilité est un point très important et je souhaite que j'ai très bien répondu à la question. Merci beaucoup, Louis Troy. C'est très important pour nous, c'est l'aspect communautaire et de comprendre comment les projets sont très différents et ils ne sont pas identiques dans toutes les organisations. Et vous avez parlé de cela d'une façon très appropriée. Maintenant, on va passer à notre prochaine question. C'est pour Ben. Dans l'histoire du Ghana, la relation en ce qui concerne la santé, est-ce qu'ils sont similaires dans toutes les régions de l'Afrique? Est-ce que le Ghana, avec son histoire, est-ce qu'ils ont bien défini l'histoire de la santé en Afrique? Est-ce que cela est applicable dans d'autres pays, l'expérience du Ghana? C'est une question formidable. La réalité des choses,
Il y a peu de recherches historiques dans d'autres pays. Moi, j'ai travaillé sur le Ghana, mais je n'ai pas une grande idée. Comme j'ai déjà dit dans le livre, j'ai essayé de voir les lacunes au niveau de l'histoire et essayé de voir cela. Il y avait une partie qu'ils ont négligée et qu'ils ont oubliée. Je dois regarder le financement et comment ils ont fait cela aux Pays-Bas et en Allemagne. Le Ghana a été un point focal énorme. Donc, il y avait des financements qui étaient ciblés au Ghana pendant au cours de l'histoire. Mais si nous regardons tout ce qui a été publié en 1950, les années 50, vous pouvez voir qu'il y avait un niveau très élevé dans tout le continent de l'Afrique et 50% des installations sanitaires sont gérées par des organisations basé sur la foi. Et on a vu quelques exemples au Uganda et j'ai vu des exemples dans les années 20 et les années 30. La santé maternelle et la santé infantile étaient beaucoup plus appropriées si nous la comparons de ce qui se passe au niveau de l'Écosse et de l'Angleterre, parce que les fonctionnaires étaient des chefs menés et dirigés par des chefs religieux. Et on a vu un shift en ce qui concerne les investissements qui étaient faits au Ghana. Je pense qu'il y avait plusieurs schémas, mais il y a beaucoup plus de travail qui devra être fait pour identifier ce qui est unique et ce que nous pouvons voir sur le côté international. Merci beaucoup, Ben. J'ai eu la même question. Comment vous pouvez le comparer à la Kenya? Au Kenya, on a appris l'histoire américaine, l'histoire européenne, l'histoire occidentale avec des normes très élevées en ce qui concerne le système de santé. Mais nous sommes vraiment heureux de pouvoir partager cela avec vous. Et vous êtes anglais et vous avez essayé de le faire comme si vous étiez un leader. Comment sommes-nous différents et comment sommes-nous prêts à mettre en lumière nos différences et d'écrire notre propre histoire? Un des points qui a été mentionné, nous sommes en train de le faire d'une façon beaucoup plus appropriée, mais on n'a pas trouvé le temps pour documenter ce que nous faisons et comment nous avons fait cela. Une des choses que nous pouvons faire d'une façon appropriée, c'est la documentation et de penser ce qui se passe entre le parti sud et le parti nord et essayer de soutenir l'un de l'autre sur la documentation. Essayez d'être humble. Il faut être humble et il faut voir ce que nous sommes en train de faire. Essayez de documenter ce que nous sommes en train de le faire et comment. Et ceux qui sont derrière nous vont apprendre. Je vais vous rappeler l'exemple du COVID-19 et comment cela a été fait avec le Sud et le Nord. On a appris. On a eu le même problème. On avait une seule solution. Nous avons parlé entre nous en ce qui concerne les besoins, comment nous allons être capables d'assister et de soutenir la communauté. Il faut documenter les tâches et cela va être vraiment utile pour nous tous parce qu'on a des convergences comme dans notre travail organisationnel au niveau des organisations. Je vous remercie, Katha. J'ai une expérience à ce niveau et j'ai très bien compris l'importance de la documentation.
Il y a aussi le fait que vous avez parlé de, d'être humble et essayer d'écrire l'histoire. On doit briller, il doit briller, apprendre l'un de l'autre et aussi souligner tout genre d'histoires qui vont changer notre, notre futur. La question, c'est pour Denis. Est-ce que vous avez des recommandations avec des groupes mixtes, des chefs religieux en ce qui concerne la santé reproductive? Il y a plusieurs femmes. Est-ce que vous avez des femmes qui représentent les leaders religieux, les chefs religieux? C'est une question très importante. Je vais commencer par... Les données du terrain nous ont montré que 44% des participants lors des ateliers avec les chefs religieux en ce qui concerne l'éducation et la santé au niveau des communautés étaient des femmes. On a une représentativité énorme des femmes au niveau des communautés religieuses. En ce qui concerne l'engagement et l'engagement avec des groupes mixtes, le processus que nous avons suivi au début, c'est d'engager des groupes de chefs religieux d'une façon individuelle. Nous avons essayé d'engager les musulmans et les chrétiens d'une façon individuelle dans certains pays. Les groupes musulmans ont des dénominations différentes. Donc, on a essayé d'avoir plusieurs aspects et cela nous a démontré que c'était très utile. Ils étaient ouverts envers une coopération mixte entre les religions. Après le fait d'engager la plupart des individus et de connaître leur position et comment ils peuvent servir et là où ils doivent servir, on les a accueillis sur le niveau national, sur le niveau régional et essayé de parler aux deux groupes ensemble. On était surpris que la plupart des groupes religieux étaient d'accord sur plusieurs aspects. Mais le seul aspect qui a été vraiment différent, c'est la planification familiale. On a essayé de se mettre d'accord sur l'importance de la planification familiale. Et on a essayé de voir l'objectif de s'engager et de permettre à ce groupe de partager les méthodes qui sont disponibles. Les personnes au niveau des communautés peuvent respecter leurs propres décisions, mais la clé derrière l'engagement, c'est de les engager d'une façon individuelle et dans une autre ou dernière étape, c'est de les rassembler ensemble. Merci. Thank you so much, Dennis. Merci infiniment, Dennis. Est-ce que je pourrais ajouter une question de suivi? Vous avez 43% de participants de femmes. Est-ce que c'est de manière délibérée? Comment vous étiez en mesure de parvenir à un tel pourcentage de femmes? Parce que les domaines des religieux, des leaders religieux est dominé par les femmes. Je n'ai pas bien compris la question, pardon, parce que j'ai un bruit de fond, monsieur Luidi. Je vais répéter ma question. Ainsi, je vous ai posé une question plutôt de suivi. Vous avez mentionné qu'il y a 44% de leaders religieuses femmes et ma question est la suivante.
Comment vous avez comment ça a été fait? Comment vous avez pu avoir ce nombre de femmes? Parce qu'on sait parce que les religieux ou le domaine des religieux sont dominés par les femmes. C'était notre intention dès le début lorsqu'on a eu ces conversations avec les leaders des églises et les leaders de la communauté musulmane. Nous avons identifié le besoin d'engager des jeunes femmes pour parler de l'éducation à la vie familiale. En amont, en aval. Donc, on encourage la participation des gens masculines et féminines. Ça se fasse de pair en pair. Et ça, ça aide à accroître le nombre des femmes comme leaders religieuses, parce que dans la majorité de ces constitutions, ces communautés, le conseil prodigue au mariage et pour l'éducation à la famille, c'est quelque chose de très important. C'était notre intention dès le début, encourager la participation féminine. Et dans chaque institution, nous avons 4 participants et on fait de manière délibérée d'avoir 2 hommes, 2 femmes. Excellent, ça c'est un très bon enseignement tiré d'impliquer les femmes dans cette sphère pour pouvoir avoir un grand nombre de publics. La manière avec laquelle vous étiez en mesure de concilier entre communautés musulmanes et chrétiennes par rapport à l'éducation de la vie familiale, c'est très important, et d'accepter où il y a des domaines de divergence et des points de divergence. Merci beaucoup. Maintenant, je passe à la deuxième question de M. Ibrahim. Et on a parlé de radio, de télévision, de réseau, mais de comment les médias peuvent aider au développement local. Comment ceci peut impacter les politiques, les comportements et les attitudes? Merci beaucoup et rebonjour à tout le monde. Vous savez, au Sénégal, la radio est le média le plus écouté. C'est vrai, on a des télévisions, il y a la presse écrite, il y a les réseaux sociaux, mais le taux de pénétration de la radio est beaucoup plus important que tous les autres médias. C'est pourquoi on utilise la radio. Et le charme avec la radio, c'est qu'il y a de l'interactivité. Quand le leader religieux, par exemple, anime une émission, les populations peuvent directement appeler à la radio pour poser des questions sur des questions, sur leurs préoccupations, par exemple. Donc, c'est ça. Et l'autre aspect, c'est que ça se passe au niveau local. Les autorités locales, les maires, par exemple, au Sénégal, ou présidents de conseils départementaux, médecins chefs de région, infirmiers, sages-femmes, écoutent tous la radio. Eux aussi, ils interviennent à travers ces émissions parce que les émissions qu'on organise à travers la radio, il y a un leader religieux qui est désigné et qui porte l'argumentaire religieux, mais à côté de lui, il y a toujours un médecin, un sage-femme ou bien un infirmier qui est désigné pour appuyer l'argumentaire du religieux. Donc, ce qui fait que l'information passe vite, parce que c'est donné par 2 spécialistes, un leader religieux qui est là, qui est écouté, un médecin, sage-femme ou infirmier également qui appuie. Et là, les populations consomment sans problème les informations qui sont fournies par ces 2-là. Donc, c'est pourquoi on a préféré quand même miser sur la radio parce que les résultats sont probants, les résultats sont importants. Et voilà, l'effet est là. L'effet, on le sent tous les jours. Si je prends, par exemple, la région du sud ou bien le nord, Matam, où il y avait un taux très élevé de mortalité maternelle, aujourd'hui, ce taux-là a été réduit. Et cela grâce à l'utilisation des pratiques de la planification familiale. Donc, voilà un impact qui est là, qui est réel. Le taux de planification familiale est élevé grâce à ces actions de communication de masse qu'on est en train de mener sur le terrain. Je laisse peut-être Wilma pour des compléments. Euh,
I think that Ibrahima has covered all. Je pense que Ibrahim a couvert tous les points importants et a bien répondu. Je pense que ça a été toute une aventure avec les éditeurs et les réseaux sociaux, la radio et la télévision. Et ils étaient en mesure de s'adapter à ce secteur de médias et étaient en mesure de cibler, de convenir leur message. À côté de ceci, on travaille avec les agences locales pour leur assurer avec les deux autres langues, français et arabe. Merci infiniment. La situation est la même au Kenya. Je pense que la pénétration radio est très importante parce que toute personne a une radio. Merci encore. Donc, la question à Tenga Tenga, la question est la suivante. Est-ce que la promotion d'une famille nucléaire est considérée comme une sorte d'hégémonie? Quelle est l'étendue de ceci? Est-ce que la patriarchie, l'équivalent auprès d'oppression, est-ce que les résolutions sont responsables des programmes de santé? Est-ce que l'FMI inclut les agences des programmes et des agences responsables de programmes plutôt, pardon? Well, I hope I'm loud enough. J'espère que vous m'écoutez bien. Okay. Oui, on vous écoute. Parfait. Je vais dire oui, parce que la famille nucléaire est ici, autrement dit, selon ma compréhension et selon notre contexte, ma femme, mon enfant et moi, c'est quelque chose qui est ou une notion étrangère par rapport à notre culture, nos cultures voisinantes, au moins chez nous. Et à un certain degré, on va dire que on peut. C'est une idée qui vient de l'Occident. On ne peut pas comprendre que c'est une décision, ma décision, ma propre décision. La majorité des Malawiens, il y a une pression exercée sur eux, des familles élargies. Et on vous pose la question, quand est-ce que vous allez avoir plus d'enfants? Ou combien, et quand est-ce que vous allez avoir le prochain? Il y a toujours cette intrusion, on va dire, entre guillemets, cette inférence dans la famille nucléaire. Ça, c'est le premier point. Et la question sur le système patriarcal, est-ce qu'il est synonyme de monopole? Oui, le système patriarcal est lié, synonyme à l'oppression, parce que les décisions tendent à être dominées par la gente masculine, orientées par la gente masculine, aux dépens de les agences de la participation des femmes dans le processus de prise de décision. Donc, il y a ce... oui, l'aspect de pression. Des fois, les gens ont tendance à confondre entre matrilinéal et matriarcal ou patrilinéal et patriarcal. Même dans les sociétés basées sur les mères, comme notre science le veut au Malawi, la société matrimoniale. C'est le pouvoir conféré aux femmes. Les décisions sont toujours dominées par la gente masculine. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai mentionné Elisabeth. Fiorenza, non pas. Si, si. C'est la Fiorenza qui a parlé de la Kyriaki. En fait, on parle plutôt des entités qui ont le pouvoir d'influencer, le pouvoir de prise de décision au sein de nos sociétés. Donc, ce sont les éléments qui apportent une réponse. Je ne suis pas sûre, est-ce que j'ai pu répondre à toutes vos réponses? L'oppression et les critiques, d'où émane le pouvoir et qui décide quoi et comment et ce qui ne va pas se passer et quelles sont les différentes agences qui sont plutôt de nature patriarcale. Merci infiniment, cher révérend. La dernière question était, est-ce que FLI inclut les agences responsables dans la programmation? Pour cette question, Amélie n'est pas présente pour cette question-là, mais je sais que de Denis, qu'il y a un programme similaire. Je ne sais pas s'il y a davantage d'éléments de réponse. Parce que On ne peut pas faire d'hypothèse. C'est Denis peut revenir à la dépositive d'Emily.
Oui, même avant, même si on a mis l'accent sur l'agence des femmes et leur gestion, on n'ignore pas l'agence des femmes et la participation des hommes. Cette participation des hommes est dominante et est devenue inéquitable également. C'est un engagement. Et c'est ce que, Denis, vous avez la parole si vous avez une réponse à cette question. Parce que c'est un truc basé sur les programmes. Peut-être que vous n'avez pas d'élément de réponse. J'attendais Emily pour répondre. Go ahead, Emily. Allez-y, Emily. En fait, je vais répondre à la question de l'éducation à la famille. Vous pouvez, allez-y. Le programme actuel que nous utilisons n'inclut pas les problématiques ou les sujets ou les questions relatives à la paternité et la paternalité, parce qu'on évoque essentiellement comment les leaders religieux s'engagent et s'impliquent avec les jeunes et autres membres de la communauté. Pour parler de l'éducation à la vie familiale, pour parvenir à plus de développement depuis leur début de leur développement jusqu'au point de mariage. Donc, le focus, ce n'est pas sur l'homme ou la femme, le focus, c'est la préparation de ces jeunes pour embarquer dans l'aventure et l'aventure du mariage. Donc, on ne met pas l'action sur l'approche genre homme ou femme, mari ou femme. Donc, merci beaucoup. Ces conversations sont importantes parce qu'on parle de qui on est en tant qu'Africain et comment on localise ces concepts pour aider au développement de notre communauté. Notre première question est à Emily. Comment vous pouvez... Pardon. Comment comprendre les problématiques complexes? C'est une partie très importante. Comment on stimule et on motive les conversations autour de ce sujet? Pardon, il y a eu coupure de son de la part de madame à un certain moment. Et je pense que la connexion également de madame Émilie est un peu faible. Oui, vous m'entendez? J'étais sur mute. Vous êtes en mesure de m'écouter? Oui, oui, on peut vous écouter maintenant. Parfait. Je voudrais vous dire que c'est une question très intéressante et je pense qu'il y a une diversité en termes de compréhension, comment la théologie affecte ou notre approche de la santé publique peut être appliquée à tout type de programme. Et je pense également qu'aujourd'hui, on garde nos communications à un niveau universitaire, à un niveau rhétorique plutôt théorique, mais dans un sens pratique, si on essaie de mettre en œuvre un programme, et on doit voir quelles sont les manières qui font de cette mise en œuvre efficace et s'assurer qu'il y a un dialogue avec les nombres d'acteurs nécessaires et concernés. Par exemple, est-ce qu'on peut discuter avec différents types de leaders religieux et chrétiens et leur poser des questions sur les principes comme, par exemple, les cinq guides, faire le bon, respect, égalité, réciprocité, solidarité, trouver où il y a un terrain commun, compréhension mutuelle par rapport à ces valeurs qui sont partagées et où il réside les différences pour voir comment remettre les valeurs sur la table, les décortiquer de manière plus profonde pour qu'ils soient centraux, pour parvenir à un changement des comportements et des attitudes. Je pense de manière générale, on peut convenir et se mettre d'accord avec plusieurs leaders et avec des traditions confessionnelles comme le respect, la dignité, le respect de la vie humaine. Disons que ce sont des valeurs centrales qui guident nos conversations. Plusieurs d'entre nous sont d'accord que
l'amour, c'est une partie essentielle de la nature de Dieu. Si quelque chose qui oriente les valeurs, qui nous permet de se tabler, de se réunir, comment faire en sorte que ces valeurs influencent et impactent la manière avec laquelle on interagit les uns avec les autres, notamment lorsqu'il y a des rapports conflictueux et des priorités plutôt de nature conflictueuse, nos rapports avec les donateurs. Parce que avec les donateurs, ils vont être clairs par rapport à leurs priorités, donc on ne peut pas se limiter à des conversations. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que même avec les restrictions et l'exigence et les requêtes des bailleurs de fonds, on est également promouvant notre paradigme de valeurs et nos principes, et en faisant ainsi, est-ce qu'on est en mesure de négocier une meilleure voie pour l'inclusion, pour les personnes qui doivent être influencées dans le produit que nous avons décidé? En fait, je ne dis pas qu'il y a un kit d'outils très clair. C'est une discussion dans laquelle je me suis engagée. Et je voudrais parler avec vous, peut-être lors de la session parallèle, pour voir comment intégrer de meilleure manière nos systèmes de valeurs et des manières entre ces soucis et pour mettre en œuvre nos programmes de manière efficace. Je voudrais ajouter autre chose. Un petit ajout par rapport à ceci. Les problématiques évoquées sont nuancées, mais pour l'éthique par rapport aux mères porteuses, ça, c'est une problématique que l'ONU est en train d'examiner parce que à cause du progrès de la technologie, mais parce que par rapport à la distribution équitable des pouvoirs, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à ce type de service par rapport aux autres personnes qui n'ont pas les moyens. Donc, plusieurs d'entre vous connaissent que, voilà, il y a ce qu'on appelle l'autorisme de grossesse. Au Malawi, par exemple, nous avons des célébrités qui viennent pour adopter nos enfants ici. Donc, oui, ce sont de nouvelles problématiques, mais des problématiques qui sont nouveaux à cause de la popularité du sujet en question et autres watchdogs internationaux sont en train de voir comment introduire ces questions. Donc, oui, il y a des enquêtes universitaires, mais on s'intéresse à contribuer à notre espace. En fait, ce n'est pas les instruments internationaux qui protègent le personnel travaillant avec les mères porteuses. Et plusieurs d'entre nous peuvent appliquer notre expertise dans ce sens parce que chacun a sa propre expérience. Merci infiniment, Sasso et Émilie. Maintenant, nous avons une question pour Jedida. Comment vous mesurez le succès dans la transition pour partir au local, pour l'appropriation, une fois que le programme a pris fin? Jedida, vous êtes avec nous. Je vais répéter la question. Comment vous mesurez si la transition a été réussie, oui ou non? Pardon. Nous avons une connexion Internet très faible aujourd'hui. Donc, ça coupe énormément. Excusez-moi. Merci infiniment pour l'intérêt que vous avez témoigné. Oui, juste pour vous dire que pour mesurer la transition, le succès, nous avons besoin
nous avons besoin de s'asseoir avec les églises et définir les bases de maturité vers la transition que nous espérons ou à laquelle nous aspirons. Une fois qu'on fait ceci, dès le début, ensemble, avec l'église, on pourrait aller vers le contrôle, le suivi, l'évaluation de manière à faire un mouvement progressif vers la transition. Et une fois on arrive au stade qu'on veut, ce sera facile d'évaluer. Ça porte sur l'Église, ça coupe et l'engagement de l'Église dans toutes les phases du projet ou de la proposition en question. On ne peut pas dire que c'est ce qu'on va évaluer, mais ça dépend du contexte de chaque église et de chaque communauté, parce que le package du programme qui va être mis en œuvre dépend de l'église, en fin de compte, de manière définitive, de sa communauté, notamment les besoins de cette communauté. Merci infiniment, Dr. Jadida. On parvient à notre dernière question à Peter. Lorsqu'on parle de localisation, lorsqu'on parle de l'impact sur les locaux, notamment le renforcement de la capacité des locaux, comment les personnes en Zambie travaillent avec les personnes au Bangladesh et dans l'entreprise voisine? Ceci est très important. Le concept de localisation peut être contextualisé pour qu'il y ait collaboration sud-sud, partage d'expérience. Aujourd'hui, on a eu plusieurs retours d'expérience de Ghana par rapport à ces... Je pense qu'on doit commencer à voir la conceptualisation du projet, la planification du projet pour voir quels sont les bénéfices des programmes de recherche pour comment faire en sorte qu'ils soient pérennes en matière de renforcement des capacités des systèmes et des pays. Et j'aspire à ce que les organisations comme EDCHAP, c'est une plateforme, un consortium de toutes les organisations chrétiennes pour mettre en place une forme de mentorat qui va appuyer la communauté, notamment les organisations chrétiennes. Ça va favoriser la confiance mutuelle, favoriser le partage d'expériences. Donc, la localisation devra dépasser le stade communautaire pour avoir un caractère plus national. Donc, aller au-delà des frontières du local pour être à l'échelle internationale. Pour faire référence à votre question et revenir, Ben Zouk, il a fait une distinction claire entre la santé local, international. On doit voir comment la conceptualisation des programmes entre les pays et à travers les pays pourrait être des sources d'inspiration. Et je pense qu'il est grand temps de redéfinir le mentorat, la coopération, le partenariat à partir du niveau local en arrivant jusqu'à les niveaux régionaux, internationaux. C'est la raison pour laquelle les organisations comme l'ECHA amène des initiatives, mettre en place des initiatives communes. On doit commencer de bas en haut et de en bas, c'est-à-dire d'aval en amont. Il faut définir les partenariats que nous avons entre nous et voir comment on pourrait cimenter le lien de confiance, d'intérêt collectif, de travail conjoint, parce que la COVID nous a appris que les maladies dépassent les limites, et le partage d'expérience, d'expertise est nécessaire pour qu'il y ait un système de société holistique, exhaustif. Je pense que c'est vital et c'est localisation, c'est un thème clé par le mentorat, par les liens, par le partenariat, la collaboration entre tous les acteurs et les parties prenantes dans le domaine de la corisée et de la santé à une échelle plus globale.
Ceci est très important. Merci infiniment, Peter. Maintenant, une question très, la question et la réponse est excellente. Nous avons une session, je reviens à, par rapport à la thématique, voilà, reconnaître que nous, en tant que locaux, en tant que Sud, nous avons l'expérience et les connaissances pour pouvoir faire le partage. On fait le partage déjà entre nous, même le partage entre le Nord et le Sud. Merci pour vos réponses respectives. Merci pour les questions, chers participants. Ça montre que vous interagissez avec nous. Oui, pourquoi pas partir maintenant aux salles de discussion parallèles pour continuer la discussion. Je maintenant redonne la parole à Mona. Pour elle va nous orienter vers les sessions parallèles de discussion, s'il vous plaît. Thank you so much, Evelyn. Pleasure to have you moderate for us today, and thanks to everyone, all of our speakers. Je remercie tous les panélistes et je vais regarder la session après et je vais regarder mes notes et comment nous avons répondu au cours de cette réponse chrétienne pour un monde qui change. Et maintenant, c'est le temps de la prière, donc on va prier ensemble et après, on va vous donner des directives en ce qui concerne les salles de discussion. Je remercie le bon Dieu, le Fils, pour le fait de nous donner la capacité au cours de cette conférence. C'est le donc et dans le chapitre 13, là où nous devrons être dévoués et aimer nos voisins. Il faut avoir cet esprit, un esprit pour pouvoir servir le monde. Comme j'ai déjà écrit quelques mots de la part de nos panélistes et qui sont inspirés par Rome, et on a vu le fait de parler du transfert des compétences et de nous avons aussi parlé du fait de comment nous faisons le faire, et le bon Dieu est dans le centre de tout cela. Prière de nous donner la capacité de faire des distinctions sur le niveau individuel et sur le niveau communautaire, et l'importance des langues. Et nous souhaitons avoir aussi des pasteurs qui vont promouvoir la santé. J'ai beaucoup appris aujourd'hui et je suis impatiente pour les conversations qu'on aura dans les salles des discussions. Je souhaite que vous allez être avec nous dans la salle des discussions. Amen. Maintenant, nous allons vers les salles de discussion. Donc, vous pouvez le faire tout seul, mais je vais essayer de vous guider. Et là, vous pouvez trouver en bas de l'écran, vous pouvez voir les quatre carrés là où il y a les salles de discussion. Vous pouvez cliquer sur les salles. Il y aura six salles que vous allez être capable de voir. Je ne sais pas, ça ne fonctionne pas correctement. Voilà, la liste est disponible. Si vous cliquez sur les salles de discussion, vous allez trouver six salles. La première, c'est en ce qui concerne le progrès. Vous pouvez cliquer sur le bouton à côté de cette salle. Et si vous allez trouver avec INGO ce que devriez faire et vous ne devriez pas faire. Et il y a aussi le groupe en ce qui concerne la durabilité. Et si vous souhaitez apprendre beaucoup plus de CCIH, vous pouvez cliquer et vous allez avoir une salle en français et une salle en espagnol. Et je souhaite que vous allez être dans la salle là où il y a la conversation qui vous convient. Et on aura des discussions pendant 25 minutes. Et je vous encourage à aller vers les salles de discussion pour pouvoir mener les discussions. Il y aura des introductions donc il n'y aura pas d'introductions et des présentations au niveau des salles de discussion. Vous allez trouver uniquement les présentations au niveau de la partie discussion. Et là, nous sommes dans les salles de discussion et donc il y a une autre fenêtre que vous pouvez en trouver. Il y aura six salles, le progrès, le travail avec les ONG, la durabilité. Apprendre en ce qui concerne CCH, il y en a deux.